Bienvenue dans ma programme ya Africa Cool Télévision, très cher internaute, très cher abonné, moté na bino bi peignon so beaucoup so occasion ko na so mokolo ya lelo oyo une fois de plus to se présenter au devant de vous pour nako analyser actualité ya mboka na biso et le on a maître Joël Kitenge o na PC. Moté maître Joël. Moté maman Thérèse, merci pour la invitation pour to solo la mai matali mboka. Voilà. Bonne santé maître Joël. Parfaitement bien. Parfaitement bien, non, la densité va tenir sur la Ndabiso Baebi qu'on a multiplié depuis plus d'un mois. En tout cas, des communications en rafale sans relâche et sans repos. Et on peut acquiser des faiblesses pour ça. On est tout le temps à la télé, tout le temps à la télé. Donc, voilà. Le besoin de la République, la guerre à l'Est, va arriver à Mokonjaba Belge. Peut-être prochainement pour le pape, si tout va bien. Et tout ça, la nécessité était qu'au devant de la scène, tout y a pour éclairer la lanterne. Il y a Baimboka, mais également notre soutien médiatique au président de la République, comme nous le faisons. Je vous rappelle l'opinion que je suis l'un des membres du collectif de communicateurs du chef de l'État. Voilà, merci beaucoup. Pas une plateforme, il y a une plateforme officielle. Bobino boboke lubumbashina tata kwati non ko roi o na ba media na soto ndolanda emo ba benye mesele roi emo ba voilà boke non mais il y a une équipe qui boba kendeki moi pour des raisons personnelles il y a ba dossier que j'étais en train de suivre ici je n'ai pas pu me déplacer pour Lubumbashi même Bukavu aussi je n'irai pas. Voilà, merci beaucoup maître Joël Kitenge. Les quelques sujets d'actualité, Isabongo, annulation, il y a visite, il y a pape François en Afrique parce qu'il fallait qu'il aille en République démocratique du Congo et puis à Kindépé na Soudan pour la raison de santé, balobi genou nae Isabongo ko déranger makasi na kamboita liba réforme de la loi électorale, ba sénateur il y a FCC ba claquer porte. Peut bah suspendre participation na bango na ba activité parlementaire nyo sur Ecosalima na makambo etali loi électorale tokolobe la visite ya roi ya couple royal belge awa na mboka la République démocratique du Congo ba bosenga eza penze belé mutu nyo azo commenter visite wana na ndenge na maître Joël Kitenge pe akopé ça moi comme à commenter par rapport ya boyé ya ba hôte wana. FRDC Bazabongo a alerté sur présence il y a plus de 500 militaires rwandais na est ya République démocratique du Congo balobi ba rwandais ba changer ba soldats na bango ba militaires na bango ba changer bango ba tenue pour que bazala confondu na ba M23 voilà les quelques sujets to banana on a annulation il y a visite il y a pape François pour la raison de santé to kosenga na nos réalisations ba chez la biso moi vidéo extrait à vidéo na yona et plutôt zonga juste après pour docteur la maître Joël. Joël Kitenge, pape annulé voyage né à la République démocratique du Congo. Est-ce que ils a moi message wana yo au yambi on dengeni. Bon, message en gonda yamba dengeni, c'est naturel, c'est normal. Aza être humain et surtout un message il y a mutu aza déjà avancé en âge parce que c'est quelqu'un qui tend déjà na troisième âge nae et qui vous dit que nous autres on est malam te puisque aza na dérangement au niveau du genou. Est-ce que le roi Otoyambi Petosala banalise l'élo? N'a-t-il pas en première lieu annulé son voyage pour des raisons, il y a Covid, puis raison, il y a guerre, il y a Russie et Ukraine, et puis l'option a été levée, le roi est venu. Ça a changé quoi? D'avoir annulé, d'être venu. Le pape est un être humain, certainement, Zosam Salanzambe, en même temps, il assume les fonctions d'un chef d'État pour le Vatican. Et ceux qui nous ont déjà mal à monter, on ne peut pas l'obliger de venir. Donc pour nous, les Congolais, nous sommes sereins. Nous pensons qu'il a déjà donné son accord de principe. Et très prochainement, une fois que Genou n'a qu'à se rétablir, Toko Yambaye, Mpe, Toko Sepe Laboye, Inaye, Naisika Oyo, et que ça l'abisso et Sengoming, puisque ça sera une occasion pour nous. Il y a qu'à Kaliko, peut faire passer le message de l'abisso en tant que jeunesse,
contre les dirigeants où il y a qui sont dans l'église catholique congolaise, ce qui, du point de vue du droit canon, dogme et charte de l'église catholique, y a-t-il moyen de nous enlever le cardinal qui est comme, considéré comme le doyen de la faculté nationale de la haine, où Martin Fayoul Lazare recteur, et lui est doyen de cette faculté de la haine qui sera très bientôt ouverte à l'académie, à l'université à Kinshasa. Donc vous imaginez que s'il nous livre ces deux professeurs-là, de la haine, de toute autre attitude un peu malsain dans l'église, heureusement, Sango et Asenani et Akanga qui a gagné ça, qui est mon nom, et puis Mbangu Bari habilita Sango, puisque Sango a la vérité, Bango Nyonso et la Sango, l'Ifantuna Bango. Donc il est temps que l'hypocrisie d'église et des hommes d'église, acteurs politiques soient-ils, mais qui se cachent derrière la soutane, qu'ils aident l'État et le Congolais à progresser, puisqu'on aurait bien voulu que maintenant, l'Église catholique a une initiative. Déjà, il y a une table ronde, il y a un dialogue pour demander aux Congolais s'il faut lever l'option de pousser l'État congolais à aller en guerre officiellement contre l'État rwandais, peu importe les lacunes, autocollo, infiltration, armes, embargo et tout, mais on est un peuple pour sa cible. Malheureusement, ils ne sont pas dans cette option puisque ce sont déjà Basomba Bango, le cardinal de Kachobwe, le cardinal de Kingakati. Donc nous pensons l'arrivée, il y a pape que nous allons faire passer ce message pour que retombe Ezala à l'endroit il y a M. Mbongo. Est-ce que le qualificatif n'y a pas de si c'est parce que le cardinal n'est pas avec vous à vous cautionner Mahamou y a pouvoir de Yaoundé vous obliger de type que bah l'on l'aime être Joël Kitenge tout en sachant que R cardinal Mbongo ça là qui sorti médiatique dans le bas qui y est à sa église dans la communauté église dans la côté à bas faible côté à bas démuni. Donc bas démuni ce ne sont pas les fidèles de l'Église catholique qu'on n'a jamais exigé la gratuité dans leurs écoles. Les demi-ni, c'est de faire une liste à l'école fictive, n'a pas enseignant fictif, c'est ça les demi-ni pour lui. C'est ça que vous imaginez que les demi-ni. Les demi-ni, c'est quoi d'après lui? Qu'il vous ait défini, c'est ce qu'il appelle demi-ni. Et aux côtés des demi-ni, qu'est-ce que l'Église fait? Puisque Jésus-Christ, en prêchant la parole, il a dit à ses disciples, non seulement la parole, il a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce que lui fait pour ces demi-ni-là? Parmi l'histoire du Congo, puisqu'on va en revenir, hein, je ne sais pas si tu as prévu. Dans l'histoire, il y a Congo. Discours, il y a roi. Entre, j'exprime un profond regret. Namakambo, Obande Konae, Kokonae, Bakolonisampe, Bakata, Basala, Pona Congo. Et vous ne savez pas dire l'histoire de la Belgique et la colonisation pour ne pas comprendre quelle a été la main de l'Église catholique blanche à cette époque vis-à-vis à Banoir et pour les colons. De quelle manière bah, masque na babilo qu'on a mis sur traditionnel arrive à Belgique, le prêtre d'abord va vous faire croire qu'eza kis, eza bokok, eza bonganga, eza lisumu. Soko bongo limote mais faut se débarrasser na babilo koana. Lo bokuti yango eza na l'état, lo bokuti yango na mise na poto et pas bamindele. Et combien le prêtre ont travaillé pour être la messe qu'il y ait du colon et de la destruction et à quand ce prêtre blanc là ou cette église s'est mis aux côtés Yaba opprimé. Par contre, l'Église catholique a été la main du diable dans la colonisation, par exemple, en 1921. Lorsque Bakangi Papa Simo Kimbangu, Pe Bassam Bisaye, Banani ba formula qui ba plainte, Pe mécontentement contre. Merci, Maître Joël Kitenge. Toko Tambalamo, on a le Kabongo est allé visite, il y a couple royal après 12 ans. Nous avons la visite de notre roi à Namboka, la République démocratique du Congo, sur invitation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maître Joël, analyse sur les plans politiques. Sur les plans politiques. Bouger un peu quotidien, Abisso, t'as gagné le côté. Yo, en tant qu'analyste sur les plans politiques, bon, moi, je ne sais pas dans cette histoire-là. Où ça, tant que le pays gagne,
Donc, l'État n'est pas une chaîne YouTube, par exemple, où on fait une vidéo, qu'est-ce que YouTube va réserver par la suite pour la vidéo. Et l'État n'a pas vocation dans ses visites, comme si visite, ça fait un commerce, il faut créer une retombée d'intérêt à résolver de la visite là. Moi, je ne veux pas Batouba confondre le fonctionnement de l'État dans Magabron à Bangote. Un, Soki, président de la République, Félix Tshisekedi, a bimia ou a voyagé na Bahi, gouvernement au cabinet naïe. Est-ce que ça pays où il y a un bacaïen de dépenser la caille? C'est quelque chose. Celui-là est un chef d'État d'un État indépendant, aïe naba ministre, naba membre du gouvernement, na délégation. Frais à mission pour un État où tu as quoi? Namboka oyo, batinda miyana ba outi. Et des dépenses là, on fait allusion à nous par rapport à quoi? Moi, je ne sais pas de quelle question. Là, on parle plus d'État. Dépenses en groupe, surtout dépenser les rois, par rapport à quoi? Puisque c'est un chef d'État qui dépend, qui voyage, et nous aussi, quand le président sort, mingi mingi ba kriaka ke ba voyage à Tshisekedi, les akolia misolomi à l'État. Pourquoi on le barate ba voyage à Tshisekedi, les akolia misolomi à Bamboko, Tshisekedi, Zokendete? C'est puisque ça ne fonctionne pas comme ça, que Mboko Zoko Yamba Bisson, des défenseurs les Bisson. Ça se fait comment? Donc, quand on n'a pas d'argument, moi je crois qu'il faut demander à certaines personnes, Oyebi na yote, tuna. Comme l'Afrique coule, Nazoko ya. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Le pays doit gagner d'abord. Il ne faut pas attendre de gagner en termes de besoin paquet, besoin nini. Je vais revenir du point de vue culturel, historique et puis du point de vue politique. Voilà. Nous sommes devant quelle situation? Quel est le rapport entre Bissona et la Belgique? Le rapport entre Bissona et la Belgique, c'est un pota. Ils ont tout bazooka, ils ont katana maboko, ils ont disparu, ils ont victimes qui sont congolais, tout l'État congolais et le bourreau. Qui sont la Belgique est représentée par le roi Philippe à son jour. Voilà. Vous n'allez pas regarder la Belgique pour oublier la colonisation, pour oublier Fimbo na Mokongo, pour oublier Bakata Batumaboko, pour oublier des viols, exploitation, pillage et des ressources na ba minere na biso. Vous ne parlerez pas de la Belgique pour qu'aucun de Kobosana la mort d'un notable Songa 1936 qui écrivit la lettre pour adresser la loi Léopoldé à l'époque. Comment Akendeko libéré, autonomisé Mboka? Voilà. On l'a autorisé, la justice belge a condamné ces derniers et on l'a pendu. Quand on parle de la Belgique, on se souvient de Papa Simo Kimbangu, arrêté en 1921, 30 ans en prison, à Koufi, 9 ans avant notre indépendance, soit en 1951, dans la prison à Lubumbashi à l'époque, hein, à Albertville, mais sans que physiquement, à commettre infraction, de faute et à droit commun. Quand on regarde la Belgique, on va tout de suite Lumumba. C'est un premier ministre en fonction qui on a tué et prendre même sa dent pour l'exposer comme un jouet. Alors c'est un père de famille qui est mère à Koufa qui a moins de 36 ans. Très jeune, Atikibana Naye, Barabami Kole la Bongo, et le pays a perdu un leader tête à penser. Quand on regarde la Belgique, on se souvient de le complot est déjà fait, le plat est déjà établi, l'éclatement du Congo c'est demain, la Belgique veut balkaniser ses pays. Tout le monde, quand tu le vois, on se souvient de ce genre de discours. Et Lumumba tient ce genre de discours en 1960. Dans la période où Lumumba a tenu discours, en ce côté, il y a un discours à balkanisation, total à la guerre. On sent que ces complots est un complot vieux que les Lumumba ont commencé déjà à se battre contre ces complots. Les Loba Kitengejo, nous nous battons contre le complot balkanisation des années après. Lorsque le roi des Belges avoue officiellement que Ezalaki, traitement équitable était pour la colonisation, torture, humiliation, domination, exploitation, il y a ressources. Crimes contre l'humanité et beaucoup d'autres traitements, il a qualifié d'inhumain, d'insupportable, à quel qu'on affiche, peut qu'on exprime le plus profond réglé. Et puis, pour la gola qui que le roi a reconnaître Moïbi na Bango, Moïbi a Kokonae, Moïbi a Belgique, a na eloko Bango Baïba. C'est pas moi qui l'ai dit, na l'oba na lingala. Masque, yabatu, yabasuku. Et masque wana kenda et sali lelo Mama Thérèse 70 ans à misé.
Bongo mbongo yo masque wane bandaki kukotisa na mize po batu baki ndeko tala yango panda 70 ans. Aye nango wapi. Ça veut dire, il y a d'un côté la reconnaissance de tout ce qui nous ont été fait de mal, de pillage de nos ressources, la preuve. Et ça, au gros là, na la ki na 200 dollars na poche, ba biya ba 20, ba biya ba 10, ba biya 5 dollars, ba biya ya 50, toi tape biya moko à 100. Oye, oye koye langa biya 50, place mbongo zala ki belé pondimite ya 50 yangoyo. Ngape na lobi ki siko ba msusu wana na zwaki. C'est une question, le masque est un élément prouvant que, parmi tant d'autres, moko ya moui biekouta n'est pas nalo ke bunga ke bele, pe moutobane ko kambambo ka pe na de mains de fer, de régime de dictatorial, unitaire imposé à Bango, donc avouer aussi devant les Congolais, moui bina Bango. Voilà. Maître Joël Kitenge. Nangana si salana eroa. Nangana si salana eroa maman nangai. Moi ibi na bango. Nangana relation mon dambu po okende na okambala moko. Eza ba kongole bele ba lobi roi il faut asenga ba excuse. Hein, officiellement n'est plus sur au balance. Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Le profond regret en autre mot en français, c'est une reconnaissance. De fait et du mal fait et de la restitution en termes symboliques de ce qui nous a été volé, pillé, dérobé pour la population congolaise. Congolaise. Kwango. Nakolo ba masque soukou ya Kwango. Pour la population congolaise. Et ça masque, et ça est vrai d'art. Il y a ba koko na bango. Il y a un bateau, un salaki, une œuvre intelligente. Il y a une initiation et puis une guérison. Et il y a un pouvoir mystique et spirituel, il y a ma casse. Alors, à ce moment-là, il y a un peu de bisou à Bokoko. Bao, il y a un salaki. Est-ce que vous avez un pouvoir à la main? Voilà, il faut que vous ayez un bouton de bakouye, parce que vous avez un pouvoir. Vous avez un bouton de bakouye. 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 J'ai la possibilité de s'accueillir parce que l'eau est dans la carte à masque. Est-ce que non? T'es. Pour voir à Boko que ça, la Libanda m'a belé. Kunenge kende, kune kende kaka bise. Tant que Zongi n'a pas belé, c'est un pouvoir traditionnel, c'est un pouvoir yaokapi. Et ça, la Libanda m'a belé. Nenge Zongi, on a guarango, on se zongi. Mon babilo, on se zongi, on a symbolique. Na guerre est au gagné. Na okomakuna. Merci, maître. Na okomakuna. Ligamba, ba excuse. Ba excuse. Je voudrais bien, moi aussi je suis parmi des Congolais qui attendaient un peu plus du roi, mais discours où il y a à tenir, à kena ko condamné misala au bango ba belge, ba salabiso, ba komaka boye, ba zalaka boye, ba zalaza ko regrette, et tikala ko sale mate, ou to Congo yali Congo, ou ta baro baleka avant ye, pou ya zale ora liboso ya Belgique te, ou ta koko na ye, tata na ye wate akufa ki, il y a 12 ans, je crois 2012, nda zalaka, 10 ou 2012, sauf erreur de ma part, nda zalaka wa, akokata koloba discours ya motindo anate. C'est une avancée significative et pourquoi ezako yaka bena tango yo ndeko chulombo azako kamba mboka. Non seulement cet aspect de cause. Lelo pour que opinion congolaise bakende koyeba ayé comme roi mais ayaki pe na membre ya gouvernement na exécutif na ye. Premier ministre. Premier ministre, puisque na Belgique, il y a roi à Régna Kama gouverna Kate. Voilà. Ba décision est qu'impliquer l'État, et c'est que l'État a cambié l'État au Bali Premier ministre. Tout a été fait du point de vue de l'État, entre l'État congolais et l'État belge, et du point de vue symbolique entre le royaume de Belgique et Oyo. Ça répond aussi à la question, il y a un nyonsologue, hein? Oyo a critiqué un peu chef de l'État, pourquoi a qu'est-ce la pointe de presse na Premier ministre. Vous comprenez que là-bas, Naba royaume, tout en même na classe, non. Non, les rois règnent mais ne gouvernent pas. Celui voilà. Qui engage la Belgique, Ndeo ya Sala qui n'a président de la République. Voilà. Ndeo ya Zako engage l'État. Ba question Zako implique l'État et les même décisions de l'État. C'est celui-là. Il faut Batouba qui ne comprendre. C'est pourquoi il y a eu deux volets. Il y a le gouvernement belge qui est venu au même moment. Il y a le roi belge, puisque Congo Azala qui n'a deux parties de l'histoire. En priori, Ezala qui propriété le quoi la jardin bilanga ya roi Léopold II. Propriété privée à ba belge qui no singma na 1908 ko kamata si quoi kamati propriété wana
Azongi Siango de manière officielle na gestion ya l'État belge. Il y a l'implication de la famille royale. Oh, Yaza qu'on représente comme famille, comme individu, comme membre. Ils appellent l'implication de l'État à ce jour, du point de vue à fonctionnement de l'État belge, où ils ont symbolisé et engagé par le Premier ministre. Voilà. À ce titre, il bâtit commission Kuna na Belgique. Il y a Sénat, na Parlement belge. Donc, dans les deux chambres, il y a une commission mixte. Bazasko ko évaluer la partie B pour que ils en aspect misato. Il y a des condamnations ba condamna Belgique en termes individuels et familial, notamment la famille Lumumba elle-même sans l'État congolais a ke ko samba pe ko funda Belgique jugement pe si bango raison pour assassiner tata na bango. Les enfants de ceux qui des enfants des Belges bango pe ba marcha ki on a besoin de reconnaissance. Il y a tata bâtard. Il y a un bâtard. Empêcher papa na bango et puis Congo peut accoser s'accrocher na dommagement là puisque c'est un premier ministre en fonction qui a été sauvagement assassiné par la Belgique. Voilà. Il y a la condamnation au acquittement à papa Simon Kimbangu puisque va kende ko réouvrir procès pour la corrigabilité papa Simon Kimbangu. On a trouvé en fait comme endroit et loko ba condamné là et 30 ans de prison exacté tata abato akufa soki Kimbangu na nguya na enyo soana 30 ans il fallait qu'il paye a révolutionné Congo, le Kisangonyo son aboloko, peut-être spirituellement le Congo n'allait pas être ce que nous sommes. Voilà. Nous avons subi de la Belgique de manière directe. La famille Kimbangu a saisi les instances judiciaires, il faut d'abord réhabilitation. Bah, dommage kuna. Et l'État congolais va subir que tous les méfaits, il y a pillage, il y a ressources, il y a de manière générale, il y a vitum, katana maboko, il y a viol, il y a traite négrière, tout ça. Oyokoya pona réparation de tout le préjudice à l'État belge et cette commission est en train de travailler pour évaluer à quel montant il va couper ça oyo montant il va couper ce qu'on bon wana bako orienter de manière à discuter avec l'État congolais et servir na ba projet à ba développement dans plusieurs secteurs. Mais c'est déjà une avancée puisque etika la ko sale maté pendant 18 ans pendant 18 ans les gens ne pensaient pas réfléchir en tant que tel. N'oubliez pas que na février il y a mois dernier il y a boulot yo et kende ki Sam Lukonde na Belgique il a d'abord obtenu ce qu'il faut rappeler la liste il y a ba bien il y a ba masque il y a ba bien de valeur na biso nyoso ba belge ba iba nous avons déjà la liste et roi ya kinde na eloko moko pona de manière symbolique ce n'est pas le tout de ce que nous allons récupérer. Ça c'est une avancée d'abord diplomatique depuis 32 ans à Mobutu 18 ans à Tata ou 4 ans à Nani nous n'avons pas pu entrer en possession de toutes ces biens de valeur là qui doivent revenir au Congo et beaucoup tiens on méritera la diplomatie à Nani obobinga ya voyage à obotembo maté parce que ba retombo ba Congo le ba causer là. Tu sais que ce bien-là, le masque et le biloko de valeur, ça nous coûte combien du point de vue culturel? Na ba misé, écoute, ça rend bon au boni. Maître Joël Kitenge, dans le Cambodge, pardon. Il y avait un journaliste, moi, comme Belge, qui a tout ni mon konzambo, qui a fait ce que tu l'as dit. Question. À l'obi, est-ce que Bozo Senga, les excuses officielles de la part de la Belgique, chef de l'État, bon. Éviter ceux qui ont qui la diplomatie, tout à boya qui ko gêné invité na au yazabongo roi à l'obit au mec un peu comme ça n'allait passer et tout bandé que belé ben interprétant on faisait le ligne mort à malam te mettre à joie qui t'aime. Non, mais moi je ne voudrais pas ceux qui basent quoi interpréter. Et puis un roi et que le bessal n'est c'est contredit moi maloba chef de l'état l'oba qui non, mais le roi n'a pas c'est à dire awa il faut pas batuto s'accrocher dans les détails, non, pas détails, le mot. Ça veut dire po oyoka yango malai fa lo baba congolais na sengi bino bolimbisanga bolimbisa mboka na bolimbisa koko nanga labia o aloba ki bolimbisi. Mais le pardon na réparation alobia za ko regretter yango soko biso to mbuzi mon pardon ndenge kendaka na Bible. Le pardon c'est cette attitude qui pousse le cœur de l'homme à un profond regret d'un acte commis à l'endroit d'un tiers et c'est ce que le roi a fait.
Alors, le président a attendu le roi dire ça, que le président vienne redemander, alors que le président parle en français, le roi le bakina français, il comprend très bien. Le président avait parlé avant le roi, peut-être il n'a pas quitté ni le discours, ni le roi préparé, qui est tout. Osa qu'on comprend. Non, il y a beaucoup de sorties. Le discours a été au Parlement. Le président a roi Batamboli plusieurs endroits et ils se sont confiés mot à mot devant la presse. Il y a des endroits, n'est-ce pas, la force publique, où le président a placé un autre mot. Il y a l'endroit, par exemple, dans l'INRB, où le président a placé un autre mot devant le roi. Donc, Eza, Nabisi Kebele ou Bakendeki, Ponangai, Lelo Belgique a quelque exprimé le sous idée à que Yaza Kobunda n'a pas travaillé pour que l'unité à Congo et Kende Kozala totale pèse les mains. Baza ko appuyer balkanisation T. Ce qui a des discours politiciens T, reconnaissant au moins que le complot de la Belgique depuis du temps de Lumumba était celui de balkaniser, d'éclater Mbokanabiso, naba multiple morceaux, naba sous-état, en créant leur connivence avec le Rwanda, d'autres pays voisins, mais également en appui avec des grandes puissances. Ce qui va renoncer à l'idée, pe balobi prêt à aider, pe ko accompagner biso na bitumba pour que token de kolonga ba groupes armés. Nous attendons de la Belgique, au-delà de ces discours, au-delà de bambongo de dommagement, Mindouki. Nous attendons de la Belgique, puisque Tomoni na Mali. L'État l'a dit. Tomoni na Mali. Dit, na point de presse, bah, France, a sa la kalaba colonie na enyon, ce qui est pas Kezali, France a tinda ba militaire na Côte d'Ivoire, na Mali a tinda ba militaire, na Algérie a tinda ba militaire, na Tchad a tinda ba militaire, na Burkina Faso, partout là où il y a des colonies françaises, dès que les États, au bazar légalement installés, bazar en difficulté de guerre, il y a des bataillons français qui arrivent et qui n'appuient. C'est ce que nous ne voyons pas de la Belgique. Cette irresponsabilité. Maintenant, ceux qui discourent, il y a un côté que la Bécam a l'obaté. Premier ça qui est engagé, l'obito, l'obikuna, nous voyons des contingents belges sur le sol congolais. Nous comprendons que la Belgique a bandit qu'on soit responsabilité naïe en tant que pays historiquement colonisateur Nabiso et qui veut tourner la page de l'histoire pour construire un partenariat nouveau et tout qui ne peut partir sur des bases nouvelles. Mais voilà. Des bases nouvelles, on est comme ça, ma boko, à katate. Et qu'on sait que ça l'oumoum batte, et qu'on sait que ça kimbangoute, mais qu'il faut qu'il y ait une réparation. Moi, je crois, avant d'analyser dans tout ce que les gnosologues analysent, il faut que kota là, la position, les avancées par rapport à l'histoire où il y a Congo, il y a des centaines d'années, et les lons n'a été ni au Tokomeli. Il faut encourager le gouvernement de la République de ce grand pari qui est une victoire diplomatique de Félix Tshisekedi. Voilà, merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Tu es bibi sonyo sur période ni nimbo kanabiso tous a bongo ko passé. Nous sommes agressés. Ils en ont abonné moi comme élève, Maître Joël. Le bito le bate que les Rwandais nous agressent, ça nous rabaisse un tout petit peu. Bon, na ébité moni n'inga na ko employé. Wana si c'est niqué, les Rwandais nous agressent. En tout cas, à comprendre n'inga ko tenir n'inga rigueur t. Dans la période moko oyo na ngambo ya na est de la République démocratique du Congo eza penza ya koninga na makasi donc ndeto loba ki toza na tamoro ya milelo na tamoro ya guerre. Est-ce que la visite ya couple royal na ministre oyo était opportun? Bon, opportun peut-être pour des raisons diverses. C'était opportun. Pour la ministre oko to soutien au FARDC et tient moi pause. Na ministre yo soutien na bande kwa este et sandis ko te propose to mi pesi mingi na arrivé ya mama et tient ma pause te biso to za en guerre so que zalai Félix Tshisekedi nda zalai ko fêter anniversaire to zalai ki mama Denise nda za ko fêter anniversaire Félix Tshisekedi ay na bouquet de fleurs abatami na sima ya porte pendant ki ya la guerre. Tous les gnosologues là onga ko ka ne banga ba plomber ba communication ba déclaration et de tralala biso to za en guerre. Bato bake ko lata ba blanc blanc bake ko fêter ba anniversaire te en pompe oh le ye Kabila na batu na ye comment il n'a pas pu renoncer à la fête d'anniversaire puisqu'il y a la guerre s'il te plaît na ko ya la fête de Kabila quand même c'était l'anniversaire de Didier Mumengi to comme non même non j'allais ajouter puisque je parlais de Kabila. Vous voulez parler de Didier Mumengi, vous parlez de Fayulu, mais ye pe Fayulu a répondu qu'il a anniversaire de Didier Mumengi pour nanini puisque nous sommes en guerre ye président Eli Ake pa obina malinga na mama basona biso ba kokufa batu ba kozoka na est. C'est pour dire avant akoluka ko critiquer Félix Tshisekedi fona no ba mitala ka malamu na mitema na bango. Faut pas confondre toute autre chose. Na même hôpital ndeto mona ka morgeza maternité za. Cela veut dire quoi? Nous enterrons et nous recevons aussi ba nouveau né ba otikoya. Voilà. Les gens entrent malades,
sortent guéris et les autres entrent sortent morts. Vie salema bongo. Ce qui est au Tumba, nous suspendons l'État, nous suspendons toutes choses. Pourquoi pas toi quand t'attends à Mediapé? Pourquoi toi ça les missions pour Tobago Fanaest? On va nous dire ça. Mais quel est le besoin qu'on tient? Besoin qu'on tient à quoi? Madame, tout ça. C'est ça. Il faut pas que Batouba banako koma na allergie moko ya raisonnement. Lelo soutien ya FRDC ezakaka au top. Alors que la présence ya roi na est eza symbolique et significatif ya makasi. On a comme le baki habita ta roi. Yo binonde bobokata. Vous savez, nous avons un problème que na répéta kaming ming na biloko fidèle, les gens ne me comprennent pas. Certains les suivent. Maman, lorsque toye na entré ya fidèle, eloko ya liboso oyo batu ya fidèle babane ko sala so ba komi na ville. Premier eloko ya ko brilé pe ya ko kende ko tumba, ils entrent dans les dépôts ya ba bâtiment public. Soit à côté de la province, et aller voir les dossiers. C'est les dossiers qu'il suivait. Et premier, l'autre, comme on a jeté jeune. Mais je ne comprenais pas. Après, on se rend compte que les balots et les archives ont brûlé. C'est ce qu'on a fait à l'INIKIN, dans la documentation archive de l'université à Kinshasa. Dans l'archive nationale, dans l'Abisso, dans la Misée, pour changer l'histoire afin que. Bordonnance Mobutu a signé, ezala ya 60 ya 71, ezala ya 82 pour que ba embrier ba tuna histoire ya Barwande, na histoire ya Banyamulenge, contente de réécrire nouvelle histoire pour nous crier combien d'ethnies étaient ici avant 1960. Pourquoi il courait dans les archives? Ce qui ba brila ya biso ba kenda ko briler ya ba archive ya Rwate. Ba kenda na Belgique était, la vérité elle est là. Banani, bazalaki banani, puisque colonisa qui n'a pas son abandon de baillé. Et venir du temps à conflit où les autres se congolisent. Tous les Rwandais se congolisent. Tous les Rwandais deviennent que les Congolais. Même Yemoko Paul Kagame, comme il est le Okin lo kite nzambe na ngai. Omoni bato ango 50% Ne loko yo, ne loko yo bato mususu ba ku soutenir. Mama, to boy ko bandero ti pokwa. Papa Olivia et sa mama tabwa ke ndeko zo noko na Kagame lokele. Mais Natunio, sotala combien de Congolais ont bah se réclamé 50% d'abango rwandais to originaire d'abango rwandais. Voilà. Ça dit aucun Congolais n'envie pas de devenir rwandais. C'est pour dire que rwandais baloula kabiso baboula kabiso, il faut les losa Congolo yeba cause la ka supérieur à rwandais. Yenda lula oh, yo soka Congolais ont réclamé d'identité rwandaise. Tout Rwandais, Aki Makayango, Fai Bito, Ola Biso Moutoutsa, comme Mounyamourenga, Loba Nyamourenga, Zapé, Tinia, Vara Bisote. Et combien de Congolais qui vous disent officiellement je suis Rwandais? Et ils avouent ça. Pour Moutoumoko, Eza, et Tangelo, Pé, Bengeli, Pé, identité à Sony, Yaba Bomi, Yaba terroriste, Yaba Tuyamakila. Maintenant, papa, roi. Roi Philippe Aya, Akata Makayango, papa, toi établir vérité. Roi Philippe Aya ba pesa biso manduki armée belge et ya kwapie ba colonie na ye nto sila na yambalo na ebe na Kagame ali lokelete ya bino bato bo soutenir kamalu vangawe qui sont ici en train de défendre ba 50% ba demi Dakar oyo. Vous voyez les dangers de la République avec Karega qui se réclame d'un côté congolais, Kagame qui se réclame que c'est tout le monde qui veut devenir congolais. Maintenant, si vous voulez devenir Congolais, pourquoi agresser votre pays, pays à Tatanayo, si tel est le cas? Alors, dans cette hypothèse, pourquoi tuer Bandeko à Tatanayo? Moi, je suis un peu plus de papa. Je suis un peu plus de papa. Je suis un peu plus Voilà pourquoi Kagame est condamné à Kiko Sila, tant que le mot côté. Nous avons une malédiction. Nous avons une malédiction, je te dis, maman.
Voilà, Maître Joël Kitenge, dans ma cambouette, les réformes et la loi électorale, tu es bien sûr, G13 va proposer qu'il loi na bango, mais un jour, il va adopter un bima qui na bango, il va qui pense parce que selon bango, bureau et assemblée nationale, va modifier, va dénaturer aux propositions na bango. Mais malgré ça, la loi a été adoptée dans l'assemblée nationale, il va qu'il y a Sénat pour la deuxième lecture. Tant que comme il y a sénateur ou il y a un membre de FCC, va claquer pour porte, il y a bango pour participer na ma cambouitali adoption ya loi électorale balobi baligné na bango kozala responsable été ya mabé o ekoya dans les futurs maître Joël Kitenge point de vue na yo. En tout cas, c'est un non événement, c'est un non événement. Forcing de quoi? J'ai déjà toujours posé cette question, madame. Première question, loi électorale o babengi, j'allais dire loi organique o ba institué pour organiser CENI. Bon, koyebi komba muto ayi de peso a initié ango, mutute. Christophe Lutundu landaza o teria projet de loi et comment les lois effectives et comment d'application aux autres organisés fonctionnement y a CENI. Loi électorale arrive le Kononda proposa yango. Bah, j'ai très ouana d'abord de tous ceux qui sont vivants, personne ne l'a proposé. Il faut quand même qu'on soit honnête, une œuvre intellectuelle, une œuvre d'esprit, ça œuvre à Mutu. Y a Thomas Lokondo, paix à son âme, député élu du PPRD. Jusqu'à sa mort, il y a une sacrée. Nani a eu qu'on enrichir Yango, Njoli, député élu, il y a MLC, Aza, membre de l'IDPST. Quand vous parlez de forcing, vous faites allusion à quoi? L'ensemble. Non! Bah, dénaturer, ça veut dire quoi? Lorsque vous avez un projet de loi, un texte, l'assemblée plénière a adopté Andimi Yango, et comme propriété intellectuelle, il y a l'assemblée, l'assemblée plénière, des organes suprêmes, organes délibérants. Azui yango komi ya bango nyoso. Sikoyo, bako banda ba phrase, lutundula ya komaki boy. Biso tomoni boti ya pewa, komi every ya tout le monde contribue na débat. Toti kota la plénière moko ya tout à l'heure, na nimpwe la otiko proposé na l'Assemblée nationale. L'idée est venue du gouvernement, l'idée est venue pour la na cabinet na ye. Mais ba député bako débattre, bako garder une originalité awe ya zali ko sala wana te bako garder squelette. Bako injecté, bako tala, bako bongisa, bako arrangé, bako adapté, bako circonstance, c'est cela le travail parlementaire. Il ne faut pas qu'on donne à l'opinion une autre façon, il y a subjectivité, il y a incapacité, il y a quoi, qu'on produit par raisonnement. Là où les autres raisonnent, vous claquez la porte, c'est un signe de faiblesse, non? Quand on n'a pas des idées à apporter. La loi électorale, où y a les lots. Na où yo kabila bongisa ki ango na mikoloti koleka. Les éléments ton amendement ou les alliés qui énervent Batounio soit les amis nani. C'est ça des questions qu'on fait scientifiquement. Tel ton mon un article tel biso ton mabango a commis boy. Mais ça vous énerve vous en quoi? Venez soumettre ce genre de débat. Ceux qui ont perçu opinion biso ton lingue à la boy. Assemblée plénière ou les alliés souveraines. Balobi bango bazasko majoritaire ba voter contre yo lingi koloba. Puisque idée yo pesa que Simba mité il faut qu'agoken. Voilà un peu de questions, voilà un peu de réalité. Alors que dans l'Assemblée au Tukoleka, l'opposition a vécu dans une minorité. Il tentait de faire passer des idées et ne boycottait pas quand Baïdia Moussouza Koulukate. Mais le FCC, FCC qui dit Kabila, qui dit Matata, président national de la Ligue des Grands Détourneurs et les autres, maintenant, vous venez pour la Kokende, Koboyao, pour débat automoni. Franchement, allez-vous-en. Claquez la porte, allez-vous-en. Pourquoi pas bah, démissionner, n'a pas démissionné, n'a pas révoqué, n'a pas renoncé dans ma mandat na bango. Pour tout le monde qui va se liquider bien. Où vont les choses, maître Joël Kitenge? Nous avons dit que le processus électoral là, et qu'on est dans le bouton bouton et bélé. Écoutez, bouton bouton est habitué. Président Seni, ils ont là qui problème. Pour la Kobim, sa présence Seni, c'était tout un problème. Et même séparation, dans le cadre de ma confession religieuse, imposa. Présence Seni Abima Deni Kadima. Loi électorale, et bani minodo, lelo, et zaka kambutu mbutu. Il ne faut pas tomber ma égoïsme de raisonnement ou bien na katia raisonnement. Na Congo, soki eza yote, soki eza motomosusu, ou ya motomosu eza la beka mabe. Et au lobby yango, pour bâtir gouvernement, ilunga ilunkamba, FCC cash, ça nous a pris 6 mois à tenter eza la quitter. Ça, c'est Madin Congo. Où les gens ne veulent pas se mettre d'accord pour il faut ils la yé, toi il faut ils la bango. Sauf qu'ils a moussousou, ils a mabé. Mboutou, d'abord parlons-en de la loi électorale. En rapport avec quoi?
Hollande conférence de presse en bata tout à l'heure sortie médiatique n'a ça là qui sur la loi électorale. Il a même expliqué, il a même expliqué que dans cette loi là et l'okoze treza ko yengeli sabino makele liza lokuta puisque nous allons publier les résultats électoraux bureau par bureau. Nana contredire na speona. Puisqu'il a dit alors que ils nous vantent ici que l'okuta va ko publier te va s'organiser pour la bique non na loi ezali ko sale mais les publications seront bureau par bureau. Nana sale comment. Maintenant et l'okozo siliki sabango na projet wana ma mes article nini. Débat ba sala kango bongote. Alors on est dans l'article belé. Bouillé dans la place publique, soulevé par article 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, ce qui est 5, 6, soit là qui va, maintenant, conséquence, ou est-ce qu'on a mis résulté, qu'on a dit à quoi et à quel niveau. Bah, qu'on publie un résultat. Mais, attends, bah, publié par résultat, bureau par bureau. Ce qui est au qui va témoigner. Même résultat, il y a bureau, prenons l'hypothèse, n'est-ce que tu as un acte à chaîne, on a studio, n'est bureau de vote. Bah, publié résultat, bah, l'oubli, yo, ma mi Thérèse, Ozoaki, 3 voix. Maître Joël Azouaki, 140 voix. Yo, namutu na yo, oko contexte 140 voix na ngai, na 3 voix na yo, wana sur base de quoi, soko tinda ki ba témoin na yo te na bureau de vote, oba koyela, oba peve contresigné na ba membre ya jury a seni, oye ko la kisakete, 3 voix na balobino mitereza lokuta ponga na zala ki tala ba preve, yangoy. Donc ce n'est pas la publication de résultats par bureau qui garantit qu'il n'y ait pas fraude, c'est par contre capacité ba parti politique ba kotinda ba mandataire na bango na seni po ba yela bango ba résultat ba kokende contester nango na ba cour na ba instance judiciaire. Il faut pas qu'on donne le travail ya ba parti politique à la seni. Mais non, nous on est là pour aller aux élections. Mais des questions que nous nous posons aujourd'hui personnellement, ce n'est qu'une réflexion. Quelle sera la nature des élections tout à l'heure? Alors que la guerre ne fait que s'intensifier dans l'Est, le président de la République, Tango Solina Lorenzo, gouvernement Tango Basili, si conseil de sécurité, il n'y a pas longtemps, il y a une carte sur table. Il y a une carte piste de mon côté. Maintenant, ceux qui ont une option à guerre, il faut mobiliser Misolo, tous les gens qui ont une option à guerre. Mais ceux qui ont une guerre, il y aura l'argent pour les armes et la ration militaire, et il y aura l'argent pour l'organisation des élections. Mais en interne, du point de vue politique, climat qu'aux Alandengenine, c'est là où nous pensons qu'il faut discuter une table ronde pour qu'on discute entre terminer notre histoire avec les Rwandais. Il ne sait pas pour tout aussi là. Tu as une élection après. Tu as une élection après. Ah ben c'est ça la question, puisque c'est aux Congolais de décider. Il ne faut pas que tout soit quand même rationnel. Ce qui est l'autre qui est tombé. Le problème est à CENI, puisque là, il faut ajouter un autre élément, puisque CENI a été communiqué sur le budget à l'opération. Tout à l'heure, le ministre de la Finance, à part les 32 millions qu'on a ajoutés, il a ajouté les 17 millions pour l'opération. Et le budget, il y a CENI et Zali, tout à l'heure, on va ouvrir, terminer le repérage. Il y a un centre d'enrôlement et part d'autres, il y a un affiché électoral. Entre-temps, la loi électorale, par exemple, il y a un CENI qui a conditionné. Il faut passer à la, qu'est-ce qu'on appelle le recensement dans l'électoral au même moment. Mais loi où il y a débat, et le bien angoté que pour aux électeurs, il faut aller à la carte d'identité. Ce n'est pas mentionné. Voilà. Là encore, on nous prête intention tout simplement, puisque l'université de la haine va avoir lié depuis la reprise académique au Zokoya. Voilà. Naba professeur hautement qualifié dans la haine. N'a doyen de la faculté de la haine comme Ambongo, n'a recteur comme Fayoulou. Et c'est comme ça qu'on veut faire fonctionner le pays en distillant le message et les analyses teintées de haine et teintées de Bichikira Touboy. Donc, moi, manipulation, je dans la carte. Voilà. Les FRDC alertent sur la présence de plus de 500 militaires rwandais. Ils changer la tenue na Bango pour dissimuler la présence na Bango au côté de la FRDC. Au côté de la M23, pardon, réalisation. Vidéo communiquée officielle à FRDC Tokutana tout juste après. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que, depuis l'arrestation des militaires de la force spéciale rwandaise dans les territoires de Rutshuru, au nord Kivu, le Rwanda a changé la tenue de ses militaires pour dissimuler sa présence dans les territoires congolais aux côtés des terroristes du M23. Le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzu
500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert noir et coiffés des casques de sa force spéciale. Pire encore, les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, leur mentor naturel, se sont intentionnellement attaqués à la MONUSCO à Muhati, non loin de Bikenge, dans le groupement des Djomba en territoire de Rutshuru. Pourtant, la force de la MONUSCO est en plein exercice de sa mission conformément au mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de cette attaque, 3 casques bleus tanzaniens ont été blessés, dont un grièvement. Ce dernier a été évacué pour des soins appropriés. Rappelons que cette nouvelle attaque, dirigée contre les casques bleus, intervient après tant d'autres, surtout celle contre l'hélicoptère de la MONUSCO qui a été abattu et qui a coûté la vie à 8 soldats de la paix. En s'attaquant à la force des Nations Unies, le M23, soutenu par le Rwanda, confirme son caractère terroriste. La population congolaise est appelée à la vigilance et à dénoncer la présence de toute personne porteuse d'armes et habillée en tenue vert noir. Voilà, Maître Joël Kitenge, FRDC va alerter au lundi communiqué, il y a porte-parole, il y a FRDC. Est-ce que tous en attendent il y a pas alerte ou bien tous en attendent il y a attaqué Mbalamoko? Non, alerte c'est aussi une méthode. Et ça quoi ce babiso moni ndoki somelaye. Belela. O moni o koya na victoire, balingi bakata yo sako bité na vandaka kimi anga pena beteli ko. Ganga na moyibie. Pona likofi non na likofi avaze boko sangise Mbalamoko. Puisque cette façon que l'FRDC fait pour communiquer, ils ont tombé qui s'amitié ma baïmboka. Ils ont bâti ça, la révolution intérieure. Ils ont poussé l'État pour comprendre. Parmi les options, pourquoi l'FRDC dit cela? Tant que je suis en train de Brazzaville, la toute dernière étape, ma recommandation, c'était pour discuter et voir éventuellement comment amorcer Kise Rwando-Congolaise du point de vue diplomatique. C'est vrai. Diplomatie et une exclité n'a pas de figure. Mais avec qui il faut discuter? La personne 1 qui vous agresse, qui a ce militaire sur votre sol, vous les avez capturés, et puis, Azakonie, et qui dit qu'il n'appuie pas le FRDC, mais le FRDC découvre un nouveau militaire rwandais. Ba commando na force spéciale à peu près 500 babwa ki bango na aux alentours du territoire ya Rutshuru donc na chance pour aller appuyer encore les terroristes. À ce moment-là, les FARDC est en train de dire au gouvernement de la République bango ne bambi là bas na terrain, attention, vous voulez discuter avec ce monsieur, mais ce n'est pas quelqu'un qui est clean et qui renonce, voilà ses intentions sur terrain. D'où l'option ya dialogue avec Kagame. Avec l'homme 23, je me suis inscrit plusieurs fois contre cette option. J'insiste et je veux lui revenir autant même 1 million de fois. Tina Bandekoba Kolananga na TV Bakolimba Frazoana, cher président de la République, coupez, stoppez, mettez fin à la relation diplomatique avec le Rwanda. Parce que tu es l'ambassadeur Kari Gazana. Mais j'ai aimé seulement que le gouvernement de la République, bravo à Félix Tshisekedi, à Pessi Basoda en ami balé na Rwanda. Vous nous confirmez la main. Je regarde la caméra et je lance les défis à n'importe qui au monde. Je sais d'où je tiens mes informations et je suis très sûr de ce que je vous dis. Le militaire rwandais en ami balé, banan ou bakangami bako bika mo se quoi ya tongo ya midi ya pourquoi. Écoutez la bango na sima fimbo. Mo se quoi chaque jour. Pour le bana ya blague te. D'ailleurs, pour votre gouverne, ils sont déjà en cours de transfert ici à Kinshasa Nandolo. Voilà, merci. Kitenge, tout clôturé, puis là, ma sujet d'actualité, mais tout clôturé dans moi polémique. Réalisation, si l'on a qu'à photo, on a une réaction à Maître Joël Kitenge.
photo. Il y a un couple royal belge, drapeau RDC, quasiment invisible. Tout le monde a un drapeau de parti politique, un drapeau de FDC, surtout papa. Papa a un casque d'invisibilité. Tout le monde a CRD, il y a les vieux Mbosso. Pourquoi? Non, je suis choqué, tu me soumets à Joël qui t'aime. Oui, parti, je suis à la drapeau. Bien, apparemment, patriotisme, ils ont un ciment. D'abord, c'est les partis politiques et puis le pays vient après. Non, les partis politiques font partie de la patrie. Puisque la patrie, c'est quoi en fait? La patrie, c'est tout ce que nous avons en commun. Mais les Congolais ont décidé, il y a qu'à servir la patrie en s'engageant dans un parti politique. Et bah, il y a qu'à accueillir le roi comme parti politique. Il faut acquérir les rois comme association culturelle. Maintenant, les Congolais ont été apolitiques. Il y a des gens qui ont été un symbole et un drapeau pour ne représenter aucun parti. Il y a comme individu pour acquérir le roi. Vous n'allez pas empêcher une association, un regroupement, un parti politique, tant que vous avez été un roi, la roi de Songolo, va s'identifier en tant que tel dans leur nomenclature. Donc il n'y a pas question de polémique là-dedans. Nous pensons que ça a été un geste qui nous voulons saluer. Bah, parti Union Soi, Union Sacrée, qui ont répondu massivement à cet appel, au-delà de l'histoire, de tout ce que les Belges nous ont fait, mais nous leur avons réservé un accueil, puisque c'est une victoire diplomatique de Fatou Beton. Voilà. Le couple royal, Mokolo Yalobi, va s'envoler, va quitter Lubumbashi et puis va rekende Bukavu. Est-ce que au cours d'un mois, une idée pourquoi le choix y a les deux villes, wana, à part la capitale, il y a la République démocratique du Congo. Par contre, pour Bukavu, c'est le programme, il y a le couple royal, ils ont voulu aller qu'au visiter Fondation Apandi. Fondation Apandi, c'est l'hôpital où le docteur Mukwege est à la CA. Et c'est de là où ils vont avoir un entretien avec le docteur Mukwege. C'était déjà comme prix Nobel de la paix, à cet angle-là. Comme prix Nobel de la paix, et c'était déjà dans les calendriers. Évidemment, Apandi, c'est à Sid Kivu, à Bukavu, c'est à ce stade-là, les Akokende Kuna. Comme Apandi, c'est à la capitale, il y a le chef lié à Sid Kivu, donc les autorités d'abord de la province vont être faites. Dans le Grand Katanga, mais également, c'était de voir aussi l'évolution et s'entretenir pour la communauté belge qui est aussi de manière considérable là à Lubumbashi. Et c'était ça, la visite à Kota, la paix depuis plein, le projet. Non, mais ce n'est pas un secret, ce n'est pas un mensonge. La famille royale a beaucoup de propriétés ici. La famille royale a beaucoup de propriétés ici. Par exemple, il faut souligner que Louis-Michel Oyo Akabwana Azalaka Awa. Bah, lien qu'il y a, puisque Charles Michel, qui est l'actuel premier ministre, comme commissaire de l'Union européenne, mais la Commission européenne, j'allais dire, Charles Michel a épousé la fille de Malta Forest. Malta Forest, au Bakolos Africa, elle reste ici. Et lui, Michel, et on connaît comment les intérêts à Bango, les familles Michel, a toujours été préservées ici dans Maboul, dans Bango, amine par les familles Forest. Et on connaît les liens qu'il y a. Non seulement ça, Charles Michel a aussi une concubine rwandaise, au Bavivarané officiellement, dont toute la Belgique, tout le royaume connaît. Et dans cette époque, et c'est la tentative rwandaise, puisque un jour, Obama na Michel va organiser un dîner. Il fallait qu'il va se rencontrer en couple na Kagame na Mwasinae. Kagame s'est arrangé avec sa deuxième fille, Oba Bimisa qui est loco, la Miss. Il a pris une Miss rwandaise, faisant d'elle sa deuxième fille pour l'inviter à dîner. Na Michel Obama, na Barack Obama. Tout ça, c'est la possibilité à politique rwandaise d'infiltration. Ils aiment vendre et disposer du point de vue sexuellement diplomatique. Tu comprends bien la placer oui, mot voilà. Pour placer déjà Bapion. Heureusement, Michel Obama a la carte veillante pour refuser que dans ces dîners, c'est le chef d'État et non pas d'enfant. Pour Bango, pour Bingo, ça qui va dans Bango, na dîner. Et plein, il y a Kagame. Pour donner une concubine à Obama et Simbaté. C'est la méthode rwandaise. Et nos politiques ici, nos généraux sont faibles. Pourquoi? Puisque dans chaque maison d'un politique, il y a une concubine, il y a une épouse rwandaise. De Katumbi ailleurs, il y en a et ces femmes-là servent d'antenne. Même Bamende a non. Sa femme légitime, bien sûr, elle est toute. Bazana Bananae. Et tout le monde, de Tambouimamba, de Kabila. À part Olive, Azana Mouane, il y a Rougizo, Azala, il y a DGDA. Et tous les politiques congolais en ont. Et ceux qui n'ont pas de niveau, ils ont aussi beaucoup de désinfiltration. S'il faut parler d'infiltration, il faut situer dans la catégorie.
première invitation na bango ba utiliser kabana na bango comme marchandise et objet sexuel, il y a infiltration pour renseignement. Mais on le propose. Au nom de l'amour du peuple. Même nous tous ici qui brillent ici la communication Awa, on est au trac tous les jours à l'internet des Rwandaises qui vous draguent et qui vous cherchent et qui envoient même l'argent. Même quand j'étais en prison, ils envoient 2000, 3000 dollars. Tout ça, mais connaissant que nga moko na mutuna leka banzela wana na go CDT. Puisque et ils visent déjà même les jeunes montants. Ils les gardent garçons à Kokoma à venir lobby mingal, va piéger déjà moi si moko à Rwanda. Va piéger donc ba garçons à bilenyo tout ça la politique to ke ba za produit périmé impropre à la consommation la femme rwandaise. Voilà, merci beaucoup Maître Joël Kitenge, consommant congolais. To consommer hey, baba, to consommer bisonyonso, kende na peso repa ba yakabala no muyaka, bala no mutabana, una kuna kena na mayombe, okena chela, okena na luozi, obali na yo tusuki wana. Soko landi bilandala ndawana zolo, matoko lo to ndengeni. Nabo yesoki ezana ngoka Dubai. Mbote pona batu nyoso bazako landa biso, merci pona invitation au PCBIS pour que tu aies l'actualité. Nous ne venons pas ici peut-être pour insulter, c'est vrai, mais nous utilisons tous les moyens qu'il y a pour que la communication n'abisse et atteindre, puisque moi, Fatu Béton ou rien. Voilà, merci beaucoup pour la maître Joël Kitenge, Fatu Béton ou rien. Il y a un peu de gentil, il y a combien de talents. Gentil, il y a un peu de talents. Il y a un peu pas gouverné. Papa Gentil, beauté. Gouverneur a commis un tel à coup de Papa, babina saka yon sa boloba. Kaka ya gentil de l'obobre, saka yon sa bambouswana. Bina saka yon sa boso mobutu. Voilà. Citoyen boswana zomou. Merci Nadjani Mbala, ma caméra. Igozo, la couleur d'Andela Yamassini. Merci à toute l'équipe d'Africa Cool Télévision. Bon, continuez. Qu'on s'abonne, qu'on aime, qu'on partage ma vidéo. N'a pas de maman, Miline Zema, maman, musique. N'a pas de Londres, Emile Kalana, n'a pas de Belgique. Mide Djou, la maman des trois, n'a pas de Pretoria. Le pasteur Donis Samkamoudi, n'a pas de Louf. Voilà. Mon magistrat Gypsy Milolo Dedi Alice Maekika, mon thème est papa Patrick Maekika na Katia Lubumbashi. En tout cas, merci de la fidélité et de la confiance dans votre programme. Bye bye, à la prochaine. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc, Eza et Loro Nabiso, Tosepe Laranango, Yango, chaque fois qu'on a eu na Kishasa, il faut namona Africa Cool. Africa Cool! Et ben cool, Africa cool, ben cool, le quoi cool ma topi, cool. Et sa chaîne y a bien. Et puis vous êtes très rapide. Et très rapide. Et sa chaîne monko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato, oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo ba lobaka ke, buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool? Pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Et au moins, ma chaîne Oeza impartiale. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.